Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer aussi sur la cloche les gars pour recevoir les notifications quand la vidéo va sortir. Et passons directement au sujet de la vidéo. Devenir patron vs être salarié. D'accord? Donc pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que c'est vrai que je parle souvent dans cette chaîne-là d'entreprendre et d'entreprendre tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des avantages à être salarié par rapport à être patron. D'accord? On parle peut-être pas souvent des inconvénients d'être patron, mais il y a des inconvénients. Maintenant, par rapport à ma philosophie, bon, tu connais déjà mon avis par rapport à ça, je suis quand même plus enclin à être un entrepreneur. Parce qu'il y a des valeurs qui sont attachées aux avantages d'être un entrepreneur, dont je vais te parler dans un instant, qui fait que moi, je préfère être entrepreneur. Maintenant, si c'est salarié et que ça te correspond plus, c'est OK aussi, tu vois, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses, pas parce que quelqu'un te dit quelque chose ou parce que tu as l'impression que lui, ça a l'air d'être bien ce qu'il fait. Si toi, tu es bien en étant salarié, reste salarié. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que voilà. Là au moins, là je vais te donner dans cette vidéo exactement les avantages et les inconvénients de salarié. Et ça pourra peut-être te donner une idée, ok, est-ce que j'entreprends ou est-ce qu'en fait je reste là où je suis et que ça me convient très bien. Donc première chose qu'on va voir ensemble, c'est les avantages d'être à son compte, d'être son propre patron. Ok? Premier avantage, c'est que tu n'as pas de limite de salaire. Ok? Donc c'est quand même, j'ai envie de te dire, une notion importante. On sait qu'on est sur une planète économique, la planète fonctionne grâce à l'argent. Donc, pourquoi ne pas en avoir plus? Plus tu en as, mieux tu es, tu vois, en fait, tout simplement. Pas pour avoir de l'argent, parce que si tu n'utilises pas l'argent, ça n'a aucune valeur. Mais quand tu vas commencer à l'utiliser pour pouvoir acheter un appartement à ta mère, ou une maison, ou préparer la retraite de ta mère, ou je veux dire, je parle beaucoup des parents, mais voilà, en général, on pense beaucoup à ça, ou pour pouvoir aider d'autres personnes, je sais pas, ou pour pouvoir construire une église, tout ce que tu veux, d'accord? Il faut de l'argent. Ça marche comme ça, l'argent. On ne paye pas les gens avec des fleurs ou avec l'amour. Non, ça fonctionne pas ça. Deuxième avantage, c'est de pouvoir partir en vacances quand tu veux. Quand tu es ton patron, tu ne demandes pas à un patron, est-ce que je peux partir en vacances? Ça a du sens. Tu vois, tu choisis de partir quand on a envie. Quand on a envie, tu dis, je pars là. Voilà. À la limite, en plus, quand tu commences à être patron, je rajouterais même, je n'avais pas noté, mais je rajouterais même que là, par exemple, moi, je bouge tout le temps. Je te jure, je voyage tout le temps, constamment, parce que j'aime ça. Là, ça va faire au moins 8 mois que je voyage. Je travaille aussi. Tu vois. Donc, quand tu es patron, en fait, tu peux travailler d'où tu es. Tu as ton propre compte, donc tu fais ce que tu veux, en fait. Tout simplement. Et on verra après que c'est un inconvénient. Mais j'en parlerai après. Troisième avantage, c'est que tu travailles. Si tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui. Si un matin tu te lèves, t'es pas bien, tu dis ah vas-y aujourd'hui j'ai envie de rien faire, tu fais rien. C'est un avantage parce que j'ai envie de te dire quand t'es salarié, non. Quand t'es non, il n'y a pas de tu fais ce que tu veux. Au moment donné, tu dois rendre des comptes. Ça se passe pas comme ça. D'accord? Quatrième avantage que j'ai noté, c'est aussi que ton temps, grâce quand tu es entrepreneur, en fait, ton temps est décorrélé de ton argent. Donc ça, c'est un des trucs qui est super puissant. Ça veut dire que parfois. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je disais sur le point précédent, c'est que tu peux ne pas travailler pendant une journée et pourtant générer de l'argent quand même. Et cinquième avantage, c'est que lorsque tu es entrepreneur, tu travailles pour tes rêves directement. Tu travailles pour tes propres rêves. Donc, si tu as des rêves, et j'ai souvent des prospects au téléphone, si tu as des rêves, tout le monde a des rêves, tout le monde a des grandes ambitions, tout le monde veut faire plein de choses, construire des maisons, construire des écoles en Afrique, s'occuper de plein de choses, d'accord? Si tu es entrepreneur, tu travailleras pour tes rêves. Donc ça, c'est là des avantages d'être son propre patron. Donc en contrepartie, les inconvénients d'être salarié, c'est que du coup, tu as une limite de salaire, d'accord? Donc même si tu te fais payer, tu as un très gros taux horaire. Le temps, il n'est pas extensible, tu vois, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc à un moment donné, tu arrives à une limite, même si tu arrives à avoir un gros salaire, mais tu ne pourras pas aller plus loin, tu vois. Donc c'est pour ça que les gens qui cherchent à vouloir devenir riche en étant employé, c'est pas possible. Parce que pour pouvoir devenir vraiment riche, il faut que ton temps soit décorrélé de ton argent. Sinon, tu ne peux pas, parce que tu n'as que 24 heures. Deuxième inconvénient, c'est que ton salaire augmente
lentement, d'accord? Donc voilà, je sais que les gens, je sais pas, tu peux prendre peut-être 7 ans, 8 ans à passer de, je sais pas moi, de 2000 à 2500 euros, ton salaire augmente super lentement. Troisième inconvénient, bah du coup, bah t'as moins de liberté, parce que tout ce que tu as besoin de faire, bah t'es obligé de le demander à bah, ton patron, et tu peux rien faire tout seul en fait, enfin, à chaque fois que tu te demandes l'autorisation. Quatrième inconvénient, c'est que tu as moins d'avantages fiscaux. D'accord, donc bah, à ce moment-là, bah, voilà, si tu as moins d'avantages, tu as moins d'avantages. Parce qu'en fait, quand tu as une société, bah, tu peux toujours optimiser en fait, tes impôts. D'accord, donc voilà, c'est un des avantages, un des inconvénients lorsque tu es salarié. Tu as un patron qui te dit constamment qu'est-ce que tu dois faire. Donc après, si tu es OK avec ça, c'est cool. Tu vois, moi, j'ai toujours du mal avec les ordres. En fait, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc du coup, c'est toujours relou. C'était toujours relou pour moi. Donc ça, pour moi, je le mets comme un inconvénient, mais ça peut ne pas en être un. Je te l'accorde. Et autre inconvénient, tu as une seule source de revenus lorsque tu es salarié, d'accord? Donc maintenant, mets-moi aussi en commentaire si jamais tu vois qu'il y a d'autres inconvénients sur le salariat que j'aurais oublié. Voilà, l'espace commentaire est là, c'est pour ça, les gars. Maintenant, les avantages en étant salarié. Alors j'avoue, j'ai cherché un maximum, j'en ai pas trouvé beaucoup. Ok, je vais pas mentir, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé trois, d'accord? Premièrement, l'argent tombe tous les mois quand tu es salarié. Ça tombe tous les mois, boum, boum, boum. Tu vois, t'as rien à faire. Tu peux même être malade, enfin après ça dépend des entreprises, mais en tout cas tu as de l'argent qui tombe tous les mois, t'as pas à te prendre la tête à savoir est-ce que faut que tu cherches des clients, etc. C'est pas ton job ça. Toi tu fais juste ton taf, ta mission, et on te paye tous les mois. Et en plus t'as pas besoin d'être forcément performant dans ta mission, dans ton travail, tu peux juste être moyen et on te payera tous les mois. Deuxième avantage qui est pas mal aussi, c'est que lorsque tu as fini ton travail, eh ben, tu n'as pas besoin de penser à ton travail. Tu vois. Que quand tu es entrepreneur, quelle que soit la nuit, le jour, le week-end, les vacances, le Noël, jour de l'an, tu penses toujours à ton taf. Avant d'être entrepreneur, il y a un entrepreneur qui m'avait dit ça, j'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, quand c'est le week-end, ce sera fini. Mais en fait, non, en fait. Quand tu es entrepreneur, en vérité, tu travailles 7 jours sur 7, en fait. Mais tu le sens, tu le ressens pas. Tu vois, c'est juste que c'est quelque chose qui t'intéresse, ton bébé, c'est ton entreprise. Donc forcément, bah, tu y penses tout le temps en fait. Si tu trouves des nouvelles idées, tu trouves des nouvelles choses à mettre en place, tu vas y penser 7 jours sur 7. Tu ne mets pas ton cerveau en mode off le week-end. C'est pas possible, quoi. Et troisième avantage, je dirais, c'est tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, etc. Mais bon, ça, c'est un avantage qui a en tant qu'employé. Mais voilà, quand tu as ta société, tu peux te mettre aussi tu peux être ton propre employé, donc du coup tu peux bénéficier aussi de ces avantages là. Donc maintenant on va voir ensemble les inconvénients, bah du coup pour pouvoir contrebalancer avec ce que je viens de te dire des avantages d'être salarié. Les inconvénients du patron, bah c'est que t'as pas un salaire garanti, d'accord? Donc là par exemple si t'as pas de clients ce mois-ci, bah t'as pas de rentrée d'argent. Donc ça peut être très stressant pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. D'ailleurs, en général, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu continues toujours à fonctionner en mode salaire mensuel. Alors qu'en fait, quand tu es un entrepreneur, bah, il faut penser plutôt à un chiffre d'affaires sur l'année, d'accord? Parce que des fois, on me dit « Ouais, mais combien tu gagnes par mois ?» Ben, en fait, c'est pas un fixe, quoi. Tu vois, ça bougera tout le temps, en fait. Ça dépend de combien de clients tu as ce mois-ci. Si tu en as eu plus, tu peux en avoir plus ou moins, voilà, plus l'année dernière, le mois dernier, ou plus le mois de plus ce mois-ci, etc. Donc normalement tu dois penser sur en mode chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est un des inconvénients. Concrètement, il n'y a aucune garantie. D'accord? Donc si jamais tu es un peu fébrile, tu dis ah oui, mais je ne sais pas comment je vais faire, etc. J'ai peur, etc. Ben oui, c'est normal. Si jamais tu gagnes plus que les autres, d'accord, en étant entrepreneur, forcément tu gagnes plus que quand tu es salarié, bah, c'est parce que tu prends des risques. Voilà. Et tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent parce qu'il y en a qui disent ouais, est-ce que c'est sûr à 100%? Comment ça? Maintenant, tu connais quelque chose qui est sûr à 100%? Bah, non, ce n'est pas sûr à 100%. Est-ce que tu veux être entrepreneur? Est-ce que tu veux avoir une formation qui te permet d'aller rapidement droit au but sans perdre de temps, gagner un maximum de temps, puisque c'est ça qui a le plus de valeur? Ben oui. Là, il y a une possibilité de pouvoir te permettre d'accélérer et d'atteindre tes objectifs rapidement. Est-ce que c'est sûr à 100%? Non. Non, c'est pas sûr à 100%. Non, c'est pas sûr. Maintenant, si tu persévères, bien sûr que tu y arriveras. Si quelqu'un d'autre a réussi, pourquoi tu ne réussiras pas? Ok? Donc voilà, tout ça pour dire que, en tout cas, c'est un des inconvénients.
tu n'as pas un salaire garanti. Deuxième inconvénient, c'est que ça te demande d'être discipliné. C'est comme je disais, le fait que l'avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Mais du coup, ça reste aussi ça peut être un inconvénient parce que si tu n'es pas discipliné, tu fais rien. Tu vois, tu te lèves tous les jours et tu fais pas grand chose. Et donc, du coup, si tu fais pas grand chose, vu que tes résultats, donc tes revenus sont liés directement à ce que toi tu vas faire, concrètement, moi tu en fais quand même, en tout cas dans un premier temps, moi tu en fais, tant que tu n'as pas lancé vraiment la machine, moi tu en fais, moi tu as l'argent qui rentre. Tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, se discipliner, ça demande à être discipliné pour pouvoir, lorsque tu es entrepreneur. Donc ça, je l'ai mis comme inconvénient. Autre inconvénient, tu ne comptes pas tes heures, d'accord? Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est que en fait, tu travailles constamment, en fait. Mais quand je dis travail, c'est dans la tête, tu vois. T'es pas en train d'écrire quelque chose tout le temps, constamment. Enfin, tu peux prendre des notes quand t'as des idées, t'as des choses comme ça, mais t'es vraiment en mode entrepreneur, vision. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je pourrais plus aider ce client, comment je pourrais me former pour pouvoir évoluer dans mon entreprise, comment je peux apporter plus de valeur. En fait, tu seras toujours dans un mode comme ça et ça le fera naturellement en fait. Ça le fera naturellement. Donc, est-ce que c'est un inconvénient, on va dire, parce qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine, mais c'est un inconvénient qu'on n'est pas encore dedans. Ça veut dire d'une vision extérieure, tu te dis « Ah ouais, c'est un inconvénient », mais en vérité, quand tu es dedans, normalement, si tu aimes ce que tu fais, tu ne vois pas spécialement comme un inconvénient. Tu es content de travailler, de faire développer ton entreprise, de trouver des choses qui vont pouvoir améliorer, apporter plus de valeur sur le marché. Mais je le mets en inconvénient pour pas être, pour rester juste. Autre inconvénient, tu es toujours à la recherche de nouveaux clients. Donc, ça veut dire que constamment, chaque mois, il va falloir que tu trouves des nouveaux clients pour pouvoir faire entrer de l'argent dans ton entreprise qui va pouvoir te permettre de développer ton business. Donc, chaque mois, entre guillemets, tu as une petite pression sur, il faut que tu trouves des nouveaux clients. Autre inconvénient, c'est aussi tout ce qui est paperasse, d'accord, tout ce qui est truc dans les comptables, etc., la fiscalité, etc. Ça c'est super, c'est un gros inconvénient, enfin, pour moi en tout cas, parce que j'aime pas tout ce qui est paperasse. Quand tu commences à peine à rentrer dedans et que tu as toujours été salarié, c'est un autre monde. Hein. Quand tu es salarié et quand tu deviens entrepreneur, ça n'a rien à voir. Là, après, il faut que tu déclares tout ce que tu fais. Il faut que tu peux pas prendre de l'argent comme ça dans ton compte société. Enfin, il faut justifier par des factures. Donc, il faut avoir les factures. Après, il faut les scanner. Il faut tout justifier. Ça, c'est un inconvénient quand même. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça pourquoi il y a des gens qui s'expatrient. Ils ne s'expatrient pas forcément que pour la fiscalité. Bien sûr qu'on ne va pas se mentir, c'est aussi pour ça. Mais voilà, dans certains pays, j'oublie c'est quoi ce pays-là. L'Estonie, je crois, tout est super facile au niveau de la paperasse. Tout est en ligne, etc. Ça facilite vraiment les choses lorsque tu es un entrepreneur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu regardes cette vidéo, tu es déjà coach, consultant. Tu as déjà une expertise sur l'immobilier, le trading ou les relations ou la santé, d'accord, tu sais comment faire perdre du poids aux gens ou comment leur permettre de plus avoir mal au dos, etc. Enfin, quelque chose, d'accord. Tu as cette expertise, l'une de ces expertises que je viens de citer, tu as une masterclass qui est faite exactement pour toi. Ok, donc là, je l'ai faite exactement pour les gens comme toi, coach, consultant. Clique sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à cette masterclass. En fait, je t'explique exactement comment faire 10 000 euros par mois rapidement sans rien y connaître sur Internet, sans avoir aucune compétence technique. D'accord, il y a des gens qui l'ont fait avant toi. J'ai des clients qui ont fait 86 000 dollars en un mois, 10 000 euros en un mois. Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines. D'accord, donc il n'y a rien de magique, les gars. Si vous n'avez pas d'expertise, je ne peux pas vous promettre d'avoir ces résultats-là. Okay. Et si vous avez ces expertises-là, je ne peux pas vous promettre non plus d'avoir les mêmes résultats qu'eux parce que chaque personne est différente, chaque personne a un mindset différent. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que les stratégies qui sont dedans sont garanties. Et si jamais tu les appliques, tu auras forcément des résultats par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à cliquer sous le lien et assister à cette masterclass. Maintenant, si jamais tu n'as pas d'expertise, tu veux être libre géographiquement, moi, je peux t'aider parce que je l'ai fait grâce à un business en ligne, d'accord ? Donc, je peux t'aider, t'accompagner à créer ton business en ligne. Donc, vivre de ton contenu sans rien y connaître sur Internet, sans même avoir d'idée business, ok ? Donc, ça, c'est pareil. Si jamais tu veux commencer à te lancer ou même si tu as déjà une expertise, pas une expertise que j'ai citée juste avant, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description aussi. Tu verras une formation en fait pour pouvoir créer ton business
en ligne. Ok, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez tout dans la description pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir passer à l'action si jamais vous êtes déterminé à être géographiquement, à vous enrichir, à être indépendant financièrement. Ok, et nous les gars, on lâche rien. Mets-moi un petit joli commentaire aussi, ça fait plaisir. Mets-moi un petit j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que t'es un rageux. Ok, et nous les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, mon gars. Choisis ton camp.